au travail, c'est très, comme je dirais, funky, amusant, drôle. Les gens très souvent me disent « Oh, ça me fait penser beaucoup au Cirque du Soleil ». Françoise Moulin, artiste multimédia de Shenanigans sur l'île de Vancouver. Il y a environ 30 ans, je me suis retrouvée dans un magasin d'art et j'ai découvert la terre polymère. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être une autre manière de pouvoir travailler en tant qu'artiste. Au Canada, très souvent, quand je disais que je travaillais la polymère, souvent comme plasticine, les gens me disaient toujours « mais ça c'est pour les enfants ». C'était pas du tout un matériel qu'on utilisait pour les adultes. J'aimerais vraiment que les gens voient mon travail comme étant une pièce qu'ils apprécient avec beaucoup de joie, de créativité. Chaque pièce aussi peut être très créative individuellement pour chaque personne. Parfois, d'être un peu trop différent où j'habite peut me créer des défis, justement, parce que sur l'île de Vancouver, il y a quand même un style très particulier que les gens recherchent beaucoup. C'est très beau, c'est merveilleux, j'aime beaucoup ce style. Mais moi, je travaille très, très différemment de ce style et c'est pas évident d'être reconnue en tant qu'artiste. Je pense que c'est inconsciemment, finalement, on crée une différence. Et cette différence est importante, je pense, pour apporter aux gens une autre vision des choses, une autre vision de la vie, une autre vision de l'art.